On se retrouve pour une nouvelle partie du Let's Play sur WRC 4 aujourd'hui, le 8ème rallye de la saison de WRC en Finlande. Alors je suis pas en commentary d'habitude, je suis en différé. Pourquoi? Même pas parce que, bon, aujourd'hui j'ai décidé de faire un peu comme j'avais fait sur F1. De temps en temps, quand j'ai le temps, quand je peux, je fais ça, comme ça au moins c'est pratique et on peut parler de tout et de rien. Donc là en fond, bien sûr, vous aurez le rallye de Finlande, bien sûr, hein, y a pas de problème avec ça. On va commencer par le planning de la chaîne. Alors, le planning de la chaîne va de nouveau être comme d'habitude, hein, pour ceux qui ne le savent pas et qui sont nouveaux sur la chaîne, puisque je vois que nous sommes déjà 1694, et je vous en remercie tous et toutes de vous abonner autant chaque jour. Alors donc, le planning est normalement du lundi c'est FUD, mardi let's play, quel qu'il soit, mercredi vous avez FIFA, carrière, jeudi football manager, vendredi carrière FIFA, samedi carrière FIFA et dimanche let's play. Mais exceptionnellement demain, puisque j'ai une journée bien trop chargée pour pouvoir faire la vidéo de FUD l'aventure, l'épisode numéro 3, je vais intervertir exceptionnellement. Demain, vous aurez donc une autre vidéo Let's Play de WRC 4. Et on se retrouvera mardi pour FUD l'aventure. Parce que demain matin, je me lève très tôt. J'ai 2 heures de conduite. Je m'entraîne pour le permis de conduire. Et l'après-midi, je passe l'examen du permis de conduire. Donc c'est une journée bien trop chargée. Je serai bien trop fatigué. Déjà stressé de venir. De fatigué pour faire parce que vraiment le rallye Finlande est tellement spécial et c'est tellement chiant, surtout que mes freins dépendent à moitié, je sais pas si c'est un bug de manette ou si t'as des freins qui prennent l'os. Ça c'est possible, ça aussi. Mais bon, après quand même, j'ai essayé d'appuyer sur les freins et tout ça, mais bon, des fois ça ne répondait pas. Bon, passons. Ça, c'est pour la vidéo. Niqué par l'inspectrice qui apparemment était hyper cheval sur le contrôle et il a mis une priorité dans un point et ça m'a coupé en je pense que peut-être mardi vous aurez peut-être deux vidéos parce que j'ai mis cette semaine. Et comme bon bah j'ai à peu près 100 abonnés, je vais faire une partie de mon truc Pokémon, donc moi je suis pas trop avec ce jeu. Deux vidéos de la journée, c'est une après-midi entière sans pouvoir jouer en multi. Parce que ben, ça prend vraiment un peu de la connexion. Voilà. Donc c'est pas le planning et tout ce bazar. Qu'est-ce que j'allais dire? Je pense que là aussi, alors là, ce sera plus vraiment de l'expérience. Mais dimanche, on va dire qu'il y aura deux vidéos. Parce que bon, en fait, moi je veux garder le programme. Mais comme je suis pas en train de jouer comme le 14, donc il va falloir un peu charger le programme. Comme ça, au moins,
Pour certains, peut-être, une chose, c'est une chose un peu plus mais en ce moment, au moins, on va tout faire. De toute façon, on peut le faire, mais non, c'est qu'on a que le matin, donc c'est vraiment le moment, il y a tout le temps de se réveiller, parce que moi, après, le reste de la journée, je pars de rater le montage, je vais mettre les gars, je vais mettre les gars, vraiment pas le temps de me réveiller. Le moment où, vraiment, c'est le sauveur de beaucoup. Bon, passons à la fin, oui, tiens, je vais parler un peu. De temps en temps, quelques personnes me disent que. Ben, après, ça m'a fait aussi ce qu'on m'a dit, mais ça c'était une de la tête de la communauté, parce que je ne pouvais pas envoyer une musique, tu vois. Alors pour l'instant, YouTube m'a rien dit, pas mieux, je vais bien faire un peu. Mais sur mes autres vidéos, moi le son n'est pas baissé, il est normal. Je m'entends très très bien en me parlant dans mon casque. Peut-être que c'est un bug de l'audio, peut-être que je sais pas si vous avez des écouteurs, mais les écouteurs des fois c'est pas très fiable. Ça dépend des écouteurs bien sûr. Hein. Vous avez des écouteurs de marque chinoise, je ne sais rien. C'est sûr que ça va pas fonctionner. Si vous avez des écouteurs Apple, normalement ça va marcher. Ou Sony, hein, normalement c'est des écouteurs aussi. Après, si vous avez des casques et tout ça, ça dépend de la marque que vous avez pris. Mais de temps en temps, on me dit qu'on m'entend pas très bien, alors que moi je m'entends hyper bien, et même des fois trop fort. Des fois, je me mets à parler et on n'entend plus le jeu bientôt. Je suis là comme ça. Donc, bon, peut-être qu'après il y a certains mots, parce que j'essaie de parler un peu vite. Des fois, peut-être que j'avale certains mots. Mais normalement on m'entend bien, hein. Moi je m'entends très très bien dans mes haut-parleurs, et encore ces deux haut-parleurs qui bientôt ont 10 ans. Hein. Oui je suis un peu radin sur les haut-parleurs, oui mais bon tant qu'ils fonctionnent, je n'ai pas besoin d'en racheter. Voilà. Donc voilà, ça c'est réglé, il n'y a pas de problème avec ça. C'est peut-être. Alors aussi ça peut être un bug YouTube. Hein. C'est peut-être pas votre matériel, mais c'est peut-être un bug du lecteur YouTube. Pour certains, ça bug, des fois ça bug pas. Mystère et boule de gomme. Ça, on va demander à Sherlock Holmes. Passons. Après, donc, du coup, on pourrait parler un petit peu vite fait des prochains jeux. Ouais, tiens, les prochains jeux qui vont sortir. Donc, le prochain jeu pour moi qui sort, j'ai pensé Drive Club. Par Sony. Enfin, je crois que c'est Sony, ouais, comme ça. Qui, bon, je pense que c'est pour la concurrence avec The Crew, comme ça. Mais vous savez bien que la PlayStation est un placement de part du sol. Donc, la console est sortie l'année dernière. Donc, comme ça fait 10 ans, je pense que plus, il faut 2 ou 3 ans. Peut-être 2 ans. Enfin, c'est comme ça, hein, depuis une vidéo, on a un placement 1, 2, comme ça, 3, 4, 5, 6, 3, je pense, comme là, 7, 8, sur PS4. On voit, je crois que j'ai mis la vidéo dessus, je vois un petit peu, et puis aussi, je pense que c'est quelque chose, mais après, j'attends que ça va être pour quand même faire le début du jeu pour que les gens sachent qu'il existe. Le 15 qui sort début d'année 2015, avec un système assez intéressant de commencer avant la saison pour en fait nous faire des mises à jour et ajouter des voitures, des changements de conditions. Parce que cette année, on a remarqué que
Par exemple, McLaren, premier Grand Prix, ils avaient un sponsor, deuxième Grand Prix, un autre, troisième Grand Prix, un troisième qui s'ajoute, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc peut-être que... Peut-être que ça peut mieux faire certains trucs. On verra, hein, pourquoi pas, c'est une bonne idée, c'est assez original. Ce serait un peu comme un projecteur, Désolé, excusez-moi, un message que j'ai rien compris là sur le téléphone. Il y a pas mal de mal à comprendre. Je sais pas. Je crois que c'était une pub en plus. Une pub en plus avec des fautes d'orthographe. Bravo, champion. Je citerai pas la marque. Bon, sinon, pardon, qu'est-ce que je racontais moi? Project Cars. Call of, ouais. Call of, ouais. On verra si vraiment il me plaît ou pas, mais on verra. Sinon, alors pour en revenir, parce que j'en étais sûr et tout, j'ai fait donc la vidéo test de la démo de PES, et donc il m'est tombé hier soir déjà le... Enfin, je sais pas si je peux me qualifier de pro PES, mais déjà, il y en a un qui m'est tombé dessus, ouais, tu dis n'importe quoi, gnagnagna, FIFA n'a rien foutu, PES est mieux... Non. Non, pardon, désolé, mais... Et je lui dirai dans les commentaires, je suis pas un pro FIFA, je suis un pro foot. Voilà. Tiens, porte dans les dents. Je suis un pro foot. Et moi, un jeu de foot, pour moi, il doit être fluide. Parce que, désolé, mais PES n'est pas trop. Hein, pour marquer, il faut faire un triangle. Moi aussi, dans FIFA, il faut, mais quand même, t'as d'autres moyens de marquer. Hein. Les centre-tête, tout ça, ça passe plus trop. Mais bon, ça après, on s'en fout. Mais par exemple, la pelouse, pardon, mais. Waouh! Y a un blème là, Konami, allô? Je sais pas, moi, faites des photos des vraies pelouses. Y aurait tellement de trucs, hein, s'ils modifient tout plein de trucs comme ça, ça serait énorme. Mais moi, je pense que vraiment, le jeu de foot ultime, ça serait le jeu où il faudrait qu'ils s'unissent, voilà. Qu'ils fassent un seul jeu de foot. Tous les deux, que l'un s'occupe de certains trucs, l'autre s'occupe d'autres choses, et hop, là on aurait un méga jeu de foot. Bon, après c'est sûr qu'il y aurait plus de concurrents, donc ils se reposeraient sur leur laurier. Moi ce que je comprends pas, c'est qu'il dit que Rugby Fan n'a rien changé. Bah pardon, PES a fait quelques petits trucs intéressants, et donc il est à bouger. On fait, ah, attends, on fait ça sur PES, ça arrive pas mal, pour nous, on va faire ça, c'est vraiment PES, c'est un méga truc de ouf. C'est vraiment le jeu. C'est vraiment plus que lui, parce
Par exemple, on peut les flyer dans la forme d'un. On dit Code Masters fait le téléphone. Après, Konami n'ont pas les mêmes moyens financiers que EA, donc c'est déjà pas mal avec ce qu'ils ont, mais ils pourraient faire encore mieux ce qui pourrait faire bouger EA. C'est pour ça, c'est pareil que dans les voitures. Prenez une marque A et une marque B, c'est la marque A qu'on a donné aux derniers que la marque B va bouger son cul pour que sa prochaine voiture soit la mieux que la marque A. C'est partout pareil, on prend des exemples partout. Hein. Même en Formule 1, en vrai Formule 1, un pilote 1 face au pilote 2, un pilote 2 il voit que son coéquipier est beaucoup trop, beaucoup plus fort, bah il va tout faire, tout mettre en œuvre pour être plus rapide et plus fort son coéquipier. Voilà, c'est partout pareil. Donc moi je suis pas un pro de l'un ou l'autre, moi je suis un pro foot. J'aime le foot et moi je veux qu'un jeu, moi pour l'instant, moi je me plais plus dans FIFA que PES pour le moment. Voilà, pour que PES me fasse venir chez eux, il faudrait qu'ils fassent vraiment un truc mais énorme qui me ferait revenir. Parce que moi avant j'étais au PES mais j'étais sur PS2. C'est la magie où je m'amusais, je rigolais, on faisait des conneries et tout, c'était rigolo. Mais je sais pas, je m'amuse plus sur FIFA, même si je rage, hein, ça tout le monde rage, hein, parce que quand on perd quelqu'un, tout le monde rage, hein, c'est normal, hein, quel que soit le jeu. Mais faudrait qu'il fasse quelque chose. Alors, ce commentaire, enfin, je suis pas méchant envers toi, t'inquiète pas, c'est pas méchant, mais tu dis que FIFA a copié PES sur FUT. Je ne vois pas où sur le précédent PES il y avait un bug FUT.
À part peut-être la Master Learning, c'est pas vraiment ce que normalement je fais, mais normalement c'est une méthode en ligne. Mais bon, s'il gagne le titre, hein, c'est mérité, il se sera bougé. Après, de toute façon, on aura beau dire de même un tel pilote ou tel pilote. S'il gagne le titre, c'est qu'il a mérité. Bon, revenons au sujet. Rosberg a eu des problèmes de volant. Hein. Vive les volants, McLaren Technology, bravo. Félicitations, 100 000 balles le volant qui fonctionne pas. Je pense qu'à la place de Rosberg, je crois qu'il aurait voulu faire comme avec sa manette quand il rage, enfin s'il joue aux jeux vidéo et qu'il rage, de le jeter dans tous les sens, mais bon, 100 000 balles le volant, voilà, hein, c'est comme par exemple la PS4, la manette elle est un peu chère et la console aussi, donc tu poses la manette et tu fracasses autre chose, mais c'est un peu n'importe quoi quand même, avoir un matériel à ce prix-là qui fonctionne tout le temps sans problème. Donc après, bon, un grand prix plutôt ennuyeux. Je suis désolé, mais Singapour, je me suis fait chier. Bientôt, je me suis endormi. Allez, c'est pas des bêtises, pendant 20 tours. Je somnolais, j'écoutais à peu près ce qui se passait.
Mais c'est rien passé, pas un accident, que dalle, nada, niette. Je ne dormais pas vraiment, hein, j'étais à moitié. Je somnolais, j'avais un œil à moitié ouvert, pour regarder à peu près ce qui se passait. Mais la fin de course, par contre, on s'est bien éclaté. Et Jean-Riverne, putain, il n'a pas pu s'appeler Jacques comme tout le monde, non? Je rigole. Jean-Riverne qui s'est montré, hein, parce que monsieur n'a plus de volant, hein, chez Toro Rosso, c'est 3 ans et après tu dégages. Si t'es pas bon, enfin si t'es pas au niveau de Vettel et de Ricciardo, dehors. voilà, parce que bon, hein, et hein, déjà qu'on te paye, on te paye, hein. Voilà, si t'es pas bon, bah non, mais voilà, quoi, c'est parce qu'eux ils forment des pilotes et tout ça, donc si t'es pas bon alors qu'on te paye, allez, dehors, merci, merci d'être passé, on te brise ton rêve, mais c'est pas grave. Bon, passons, donc voilà, il s'est montré et c'est un bon pilote, hein, par rapport à Kiat. Kiat après il doit apprendre, hein, ça c'est sûr, hein, il apprend, il a déjà un niveau assez intéressant, donc après bon, voilà. Mais ça serait bien que Vern trouve un volant, quelle que soit l'équipe, tant pis, hein, mais au moins qu'il trouve un volant, parce que bon, on était content, on avait plein de Français, et tout d'un coup, ils se font bloquer les uns après les autres, petit à petit, comme la dernière fois, on espère toujours au moins un vainqueur de Grand Prix, pas non plus un champion. On n'a pas un Prost, mais au moins un vainqueur. Je sais pas, au moins quelqu'un qui gagne les deux Grand Prix. Voilà, bah tiens, pour en revenir un peu au jeu de Titan, Attention, stop.
Attention, saut à l'intérieur. Saut 4,
3, 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